Bonjour tout le monde, c'est Nara Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pas fait d'intro à cette vidéo, tout simplement parce que j'avais envie de faire ça différemment. Donc, vous l'avez bien vu avec le début de cette vidéo-ci. Je suis partie en bus, en petit voyage de 3 jours, pour visiter Salem et Boston. Donc, on commence le séjour avec Salem. Et après ça, Boston, et on revient à Laval. Je me suis amené 2 livres. J'ai commencé ce livre-là, mais j'ai continué en fait ce livre-là durant la route vers Salem, parce que fallait que je sois là pour 4 heures ce matin. J'ai dormi une bonne partie, et le reste du temps, j'ai écouté des podcasts, et j'ai lu un peu, et honnêtement, je ne vais pas le continuer, je comprends fuck all. Ben non, c'est pas vrai, je comprends pas fuck all. C'est juste que la raison du pourquoi il a enlevé la petite fille n'est pas encore dite. Puis là, ça a l'air que ça serait peut-être un enleveur d'enfant. Mais là, c'est comme long, là. C'est long, là. Il y a des longueurs, là. Puis il y a comme
pas vraiment d'action. Donc là, je rentre vraiment pas dedans. Je vais peut-être lui redonner sa chance un petit peu plus tard, parce que c'est quand même un livre d'horreur de Barcelone. Donc, j'ai envie, en fait, de lui laisser sa chance. Bon, par chance, j'ai amené Distorsion de Émile Gautier et Sébastien Lévesque pour le reste du périple. Dans le sens, dans le reste, dans le sens. Et je le dis souvent ce mot-là en ce moment. C'est parce que j'ai envie de lire peut-être un livre quand on va retourner vers Laval. Parce que c'est bien beau d'avoir des podcasts. Mais à un moment donné, j'ai mal aux oreilles à force d'avoir les écouteurs dans les oreilles. Donc, avoir un petit break, mettons, de 30 minutes, ça fait du bien. Donc, j'en ai amené. Donc, au moins, j'ai un livre de rechance. 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 J'ai de la misère avec certains mots. Donc, c'est ça. Donc là, je suis comme dans ma chambre, un petit peu bordélique. Là, j'ai déjeuné, il faut que je finisse. Je vais me rebrosser les dents parce que j'ai ça, manger. Après, m'être lavé les dents, donc je me les relave. Il faut que je sois au rang d'entrée là, pour 7h25 parce qu'on part pour la journée. Donc, on a quand même une grosse journée à faire aujourd'hui. Donc, ouais. Donc, je vous laisse. Je vous fais peut-être petit update un petit peu plus tard, mais c'est sûr que je vous laisse sur de belles images. Donc, on se retrouve tantôt!
Petite update, on est dimanche. Ma journée d'hier, c'était, je sais pas, c'était comme pas tant fameux. Dans le sens qu'on était censé aller visiter Harvard, mais la place où on devait aller était fermée. Puis ce que je trouve bizarre, c'est que la guide a dit que Harvard c'est grand. Donc, il y a plusieurs bâtiments, donc on aurait pu visiter un autre bâtiment qui était comme ouvert aussi au public, me semble. Donc, vraiment bizarre, vraiment déçu parce que j'aurais aimé visiter Harvard. C'est tant qu'à être dans le coin, c'est le fun, ça aurait été le fun. Aussi, la grande bibliothèque de Boston, la fameuse bibliothèque de Boston, c'était ordinaire. Je m'aurais attendu qu'il y ait encore plus de livres, tu sais, grande bibliothèque, c'est là où que tout le monde étudie, hein, tout le monde révise, puis tout. Je m'en attendais à ce qu'il y ait plus de livres. Il y avait beaucoup d'étudiants, je me sentais comme gênée d'aller regarder la grande salle où ils étudiaient parce que les étudiants étaient tous là. Mais en même temps, il y avait tous leurs écouteurs dans les oreilles, donc je pense que il prévoyait le coup que il y aurait eu beaucoup de touristes qui viennent, donc je pense que ouais. Mais elle était pas tant fameuse. Les peintures et tout, oui, c'était vraiment beau, mais en tant que tel, les lieux, c'était ordinaire. Sinon, on est allé. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de la place. On est allé au Quincy Market. On y retourne aujourd'hui. On est resté de 3h30 à 8h. Honnêtement, là, c'était trop long. Moi, là, je serais revenue à l'hôtel, là, genre. Mettons, là, à 6h30, on est dans le bus, le temps de revenir. Ça a pris genre 30 minutes, non? Ça a pris genre pratiquement 45 minutes parce qu'il y a eu beaucoup de trafic. Donc, tu sais, moi, je serais partie plus tôt parce qu'on était quand même partie à 7h30 le matin. On revient à 8h30 à l'hôtel. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de choses à voir, là, mais j'ai l'impression que j'ai pratiquement rien vu dans ma journée, genre. Honnêtement. Ah oui, on est allé à la tour au 53e étage. Ça, par exemple, c'était beau. On tournait en fait en haut, puis dans le fond, c'est un carré, là. Puis ça donnait une vue 360 sur la ville de Boston. Ça, par exemple, j'ai vraiment apprécié. Après ça, tu descendais un étage. C'était la même vue, mais juste que c'était pas comme fermé. Il y avait des vitres jusqu'à un certain niveau, mais après ça, c'était comme dégagé, donc, tu sais, on ressentait le vent et tout, ça fait-tu bien. Ça, par exemple, c'est intéressant parce que, tu sais, ça donne une vue 360 sur la ville et tout, donc,
Ça, j'aime ça. Ça, les vues qui te permettent d'avoir une vue comme les places, en fait, qui te permettent d'avoir une vue 360, je trouve ça super. C'est le fun comme activité parce que, tu sais, t'as pas tout le temps la possibilité ou l'opportunité d'avoir une vue 360. Puis là, ça, c'était vraiment super. Donc, grosso modo, oui. Après ça. Ouais. C'était ça hier, en fait. Ah oui, on est allé au jardin, au public jardin, public garden, un parc dans le fond, là, où on a pu voir aussi les petits canards, parce que ça a l'air que Boston adore énormément les canards. Puis là, les petits canards étaient déguisés, c'était vraiment trop cute. Donc, vous avez pu voir dans avant que je fasse mon petit update. Donc, ça, hier, on n'a pas fait grand-chose finalement, en vous reparlant, en fait, de mon petit défrif de ma journée d'hier. Aujourd'hui, je vais vous le dire. Tour historique de la ville. Après ça, on va visiter le navire historique de le USS Constitution. Après ça, dîner étant libre au Quincy Market, où qu'on est passé, genre, beaucoup dedans hier. Après ça, on part à 1h15, puis on s'arrête à quelque part pour prendre de quoi à souper. Donc, grosso modo, ça va être ça ma journée. Je vais vous faire un petit dernier petit update rendu chez moi. Donc, je finis de me préparer parce qu'il est 7h14. J'ai même pas été déjeuner parce que le déjeuner à l'hôtel, il est vraiment pas bon. Comparé, c'est lui de vendredi matin. Lui, il était bon. Il était bon. Mais là, celui d'ici, il est pas tant bon. Je l'ai pas tant aimé. Donc, grosso modo, ça va être ça. Je refais mon sac parce que je l'ai défaite pour prendre la petite caméra en ce moment. Puis, je vais aller dans le petit hall avec tout mon stock. Donc, je vous fais un petit update à la fin de la journée après avoir filmé tout ce que j'ai vu. Bye! Donc, petit update et le dernier. Là,
J'avais carrément oublié de le faire, mais le petit mot de la fin. Je suis arrivée hier soir à la maison, il était vers 9 h. Grosso modo, j'ai quand même bien aimé mon voyage, mais pas plus. Je suis quand même déçue par certains petits trucs. Mais honnêtement, si vous voulez faire Boston-Salem, honnêtement, prenez n'importe quelle agence de voyage sauf Tour d'Amérique. Parce que honnêtement, c'était pas tant fameux. Ou sinon, allez-y tout seul, ça peut être aussi. Ça pourrait faire pareil. Mais si vous voulez pas vous casser la tête pour les activités ou dormir ou autre, prenez un voyage organisé. Mais quand même contente que les activités que j'ai pu faire, c'est j'ai quand même pu voir Boston et Salem et tout. Mais côté activité pour Salem, il y en a un qui ça laisse à désirer. Sinon, on n'a pas pu voir ce qu'on devait voir à cause que la guide marchait un tantinet trop lentement. Aussi, je voulais visiter, j'y tenais là, à Harvard, excusez-moi, je le prononce très mal, et on a vraiment pas pu le faire, puis elle disait qu'il y avait, je m'en rappelle plus le nombre exact, mais elle avait dit qu'il y avait énormément de bâtisses pour Harvard, so, ça aurait été bien d'en visiter un autre parce que lui qu'on était censé aller, finalement ils ont fermé l'accès aux touristes. Donc tu sais, plan B, on va vous faire visiter une autre bâtisse qui est reliée à cette université-là. Tu sais, ça aurait été bien. Tu sais, un plan B au cas où que celui-là il est fermé. Donc moi j'aurais aimé vraiment le visiter. Puis je trouvais ça super qu'il était inclus dans le voyage en fait. Et finalement, non, on le verra pas. Donc, puis le samedi soir, c'était comme, on avait comme trop de temps libre pour le petit spot où qu'on était. Donc, tu sais, ça aurait été le fun que ce soit dans une place un tantinet plus grand que le Quincy Market. Donc, c'est mieux beau magasiner, mais c'est parce qu'après 2 heures, tu sais, on a le temps là, de faire le tour. Donc, grosso modo, c'était ça, là, mon petit feedback. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter la petite vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.